Ok, merci, merci tout le monde. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à tous les partenaires d'Africa Place. Je suis là ce soir pour m'entretenir avec les internautes, les partenaires, les amis d'Africa Place. Voilà, moi c'est tout le monde dépend. Gérard 4, voilà, c'est mon nom à l'état civil. Je peux accepter de me faire appeler Valérie Avocat du côté de Facebook. Voilà, là, je m'appelle aussi Pan Gérard, voilà. Voici, et ce soir je vais m'entretenir avec vous, vous expliquer un peu le bien fondé de notre plateforme Africa Place. Il faut dire qu'on a deux plateformes. Bon, la première plateforme c'est Planète Plus. Planète Plus qui est notre chaîne privée sur laquelle nous émettons et nous mettons toutes nos vidéos, voilà. Et la deuxième chaîne qui est Africa Place, qui aujourd'hui a pris de l'ampleur, qui est connue de tous, où on passe le plus souvent nos vidéos et autres. Voilà, donc je vais dire déjà que Africa Place est né dans un souci majeur, celui de donner un peu la voix à la jeunesse africaine. Voilà pourquoi on a mis en place cette plateforme. Et la plateforme est née depuis lors, depuis juin passé. Nous sommes en 2019, donc depuis juin passé, on a mis la chaîne en place. On a mis ces deux plateformes en place pour permettre à la jeunesse africaine de vraiment se mouvoir, se véhiculer son message et éviter simplement d'être muet dans l'évolution du monde. Voilà, donc Africa Place est né comme ça, pour égayer la jeunesse, pour égayer tous ceux qui sont partenaires, internautes et tout. Voilà. Et donc, cette plateforme-là est mise en place. Et déjà, nous émettons, nous avons plus de 100 vidéos qui sont déjà en ligne. Et dans cette suite continue-là, pour le bonheur de l'Afrique. Voilà. Voilà pourquoi la chaîne, la plateforme se fait appeler Africa Plus. Voilà. Nous sommes sur la place africaine et tous les débats sont vraiment la bienvenue. Ce soir, vous me voyez, je suis habillé vraiment en tenue traditionnelle qui représente vraiment la culture ivoirienne, précisément dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis en tenue Senufo, dans le Tchorogo, je pense bien, le bois sacré, le poro, voilà. Et ça vous dit simplement que l'Afrique a ses valeurs. L'Afrique a ses valeurs, donc on confie cela à la postérité, à la jeunesse africaine de perpétuer cette culture africaine là. Donc ce soir je suis dans la tenue traditionnelle des Senufo. Donc voilà, je vais un peu m'entretenir avec vous sur trois points. Déjà le premier point qui est pourquoi est-ce qu'on a mis la plateforme en place, et le deuxième point, les grands points à débattre sur la plateforme, et le troisième point, ce qu'il faut faire savoir aux internautes. Donc voici un peu mes trois points. Donc je commence pour aussi le premier point qui est Africa Place. Africa Place, on a appelé ce nom Africa Place parce que nous sommes d'abord africains, nous sommes africains, et que la place qui nous appartient en tant que jeunes africains, c'est la place africaine, c'est la place africaine. Voilà pourquoi nous faisons appeler notre plateforme Africa Place. Le mot place, dans la phonétique place, on a l'impression d'entendre la langue anglaise place. Place, oui, parce qu'on le dit comme ça pour que chacun se sente un peu concerné dans cette situation-là. Donc, on a mis à la place des places un Y pour que tout le monde puisse prononcer le mot place, parce que nous sommes dans un pays francophone où on parle couramment le français. Donc, si on met Africa, qui est déjà une phonétique anglaise, à la place de Afrique, ça ne sera pas trop international et ça ne sera pas trop vu sur le plan international. Donc, on a préféré choisir le mot Africa avec un K à la fin et place, on a ajouté un Y pour que les gens puissent prononcer correctement place. Place, en anglais, ça s'écrit place, mais on a mis le Y pour que le son place sorte à travers la lecture. Donc Africa Place, c'est nulle part ailleurs, c'est sur notre plateforme et c'est pas une plateforme qui a été copiée de nulle part, c'est une plateforme qui a été créée par la jeunesse africaine, particulièrement les jeunes ivoiriens. Je n'oublie pas déjà de saluer mes associés, en l'occurrence Béroger Apia,
JB, Alberici Michel et Jomandé Elvis. Donc voilà, le décor est planté. Je vous invite vraiment à suivre Africa Plus. Donc, comme je le disais tantôt, Africa Plus, c'est une plateforme. Africa Plus, ça se passe sur YouTube. Ça se passe sur YouTube, sur toutes les chaînes privées. Voilà, Africa Plus se passe là-dessus. Et pour vous abonner, c'est simple. Quand vous démarrez votre téléphone portable, alors vous allez sur YouTube, arrivez sur la plateforme YouTube. Vous allez voir une loupe. Vous cliquez là-dessus deux fois. Il y a une page qui va s'ouvrir. Quand la page s'ouvre, vous écrivez Africa Plus. Quand vous écrivez Africa Plus, alors notre plateforme va s'afficher sur votre écran. Au bas de votre écran, à droite, ils vont mettre abonné en rouge. Vous cliquez là-dessus deux fois et vous êtes abonné. Il y a une cloche qui va apparaître. Vous cliquez sur la cloche, vous êtes définitivement abonné. Vous pouvez participer à nos débats, participer à nos commentaires et vous aussi nous apporter des vidéos pour faire avancer l'Afrique, pour éveiller la conscience africaine. Donc voilà pourquoi Africa Place a été mis en place. Donc, chers amis, chers internautes, nous vous invitons à suivre Africa Place. Nous vous invitons tout sujet est la bienvenue sur la plateforme. On n'a pas de sujet tabou. On parle de tout et de tout. Voilà. Voilà un peu en quelques lignes pourquoi est-ce que Africa Place est mise en place. Ok? Voilà pour le deuxième point qui est les grands points à débattre sur Africa Place. Ok. Voilà les grands points à débattre sur Africa Place. Africa Place fait d'abord la promotion de la culture africaine. Voilà, nous faisons la promotion de la culture africaine. Et quand on parle de la culture africaine, évidemment, nous avons besoin de la jeunesse africaine de venir défendre leur culture. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a plusieurs régions, donc on a le temps d'échanger avec chaque jeune de chaque région de la Côte d'Ivoire, de pouvoir donner un peu ce qu'il sait de sa culture, même s'il ne sait pas, apprendre des enseignements sur Africa Place, du bien fondé de sa culture. Donc, les grands points pour Africa Place ici, c'est enseigner déjà la culture africaine à la jeunesse africaine. Aussi, il y a une conscience qui domine le monde aujourd'hui. Et cette conscience, c'est rien d'autre que la religion. Et sur Africa Place, nous faisons les débats religieux. Les débats religieux pour éveiller la conscience africaine, pour faire comprendre à la jeunesse africaine que la religion a son rôle à jouer dans la société, mais qu'il faudrait comprendre sa source et sa création. Donc sur Africa Place, nous faisons les débats religieux. Ok. Le grand point à débattre aussi, ce sont les activités. Les activités, que ce soit activités sportives, que ce soit les activités culturelles, les dots, les mariages, tout, les concours de danse. En tout cas, la plateforme est disponible, la plateforme est là et elle couvre tous ces événements. Si vous voyez déjà nos vidéos précédentes, vous allez voir toutes ces connaissances, toutes ces cultures-là déjà véhiculé sur la plateforme. Donc Africa Place fait la culture, la promotion de la culture africaine. Voilà, à l'ouest, il y a ce qu'on appelle le Geva, la danse des masses, tout. Chez les Akans, au sud, on a la fête d'Igname. Voilà, au nord, à Korogo, on a le Poro. Voilà, donc Africa Place est là pour couvrir tous ces événements. Donc voilà un peu en deuxième grand point, ce que Africa Place compte vraiment faire pour l'évolution de la culture africaine. Ok? Le troisième point. Le troisième point, c'est ce qu'il faut savoir. Ok. Ce qu'il faut savoir s'il y a Africa Place. Alors, il faut s'entendre que Africa Place fera des contradictions dans tous les débats. Africa Place va toujours donner son point de vue sur un sujet bien donné. À Africa Place, il n'y a pas de sujet tabou.
on ne rejette aucun sujet. Africa Press débat tous les sujets possibles. Voilà, ce qu'il faut savoir est que si vous cherchez une quelconque raison ou raisonnement, venez sur la plateforme Africa Place, vous aurez votre réponse. Donc Africa Place, à Africa Place, il n'y a pas de sujet tabou. Donc ce qu'il faut savoir, Africa Place forme, informe et donne de la formation. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur Africa Place. C'était le jeune frère, bon, je m'en dis, Kat Gérard, responsable Africa Place. Je n'oublie pas de saluer tous mes associés, Biroge Apia, Chomande Evi, Alberici Michel. C'était votre petit poste ce soir sur les avantages et les projets d'Africa Place. Donc restez connectés sur la plateforme Africa Place et n'oubliez surtout pas de vous abonner, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à Africa Place et à la chaîne YouTube Planète Plus. C'était le responsable officiel. Restez connectés et bye.